Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur Casternest pour la suite de l'Open Division. Enfin, on s'était quitté bien trop longtemps, malheureusement. Ça faisait bien trop longtemps qu'on avait envie que l'Open Division reprenne. On espère que les fêtes se sont bien passées. On espère que vous êtes bien rempli la panse à Noël si vous l'avez fêté. On vous souhaite une excellente année 2019 puisque c'est notre premier live de 2019. Je suis la première personne de Casternest à prendre la parole sur le Twitch en 2019. Mais non, si je dis pas de bêtises normalement. Et on reprend donc aujourd'hui l'Open Division en compagnie de messieurs Dams et Vatko. Dams, comment vas-tu ? Bien, ça va super bien. Je suis hyper content d'être de retour en cast et hyper content d'être présent, comme tu l'as dit, pour ce premier live de 2019. Surtout pour cette Open Division qui reprend sur les chapeaux de roue, puisqu'on a droit à un match hyper intéressant. Donc, tout va bien se passer. Je suis hyper content et hyper bonne humeur. Et je pense que Vatko, tu es d'excellente humeur toi aussi. Bonjour. Ouais, je me sentais un petit peu isolé là. C'est terrible ce qui se passe. Oui, en tout cas, ouais, je me sens très très bien. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver pour cette Open Division. Bonne année à tous encore une fois. On le dit pas assez. On en profite tant qu'on le peut. Et comme vous avez très bien situé la chose, on va du coup se retrouver pour un match d'Open Division. On va retrouver les Hoshtek Warriors contre la Team Clash. Eh bien, tu fais mon travail, mon cher Vatko. Écoute, mon travail qui est déjà volé. Donc effectivement, Vatko vient de le dire. Les Hoshtek Warriors vont affronter les Team Clash, comme vous voulez. 4-0, c'est le score sur lequel sont actuellement ces deux teams. Les quatre premiers rounds se sont très très bien passés, notamment pour les Hoshtek Warriors, hein, combat défait. Deux équipes françaises, malheureusement, hein, en round 2. Les Hoshtek Warriors qui avaient vaincu les Zephyr Black 3-0. Après, il y a eu un round 3, il y a un match face au Gamers League. Un très gros match bien serré, mais qui s'est soldé sur une victoire 3-0. Encore une fois, des Hoshtek Warriors qui ont des grandes ambitions, hein, cette année, dans cette saison d'Open Division. Nos amis des Hoshtek Warriors, on se rappelle, ils avaient fait top 4 l'an dernier. Ils vont donc affronter les Italiens de Team Clash en 4-0 également, qui ont eu un parcours assez tranquille. Et ce parcours assez tranquille, on va voir s'il va être perturbé alors qu'on entre tout de suite, messieurs, sur Népal. Oui, une map du coup qui risque d'être intéressante. Je vois qu'on va directement se diriger sur le sanctuaire. Les compositions vont commencer à se former. Et tu nous l'as bien cité, hein, les joueurs des Hoshtek Warriors sont assez expérimentés. Ils ont pas mal d'expérience ensemble avec une Open Division déjà dans les pattes. On peut donc les voir jouer à un très très haut niveau. Hein, tu l'as dit, un parcours plutôt intéressant et plutôt tranquille jusqu'à maintenant. Mais la Team Clash, elle va pas se laisser faire. Et je vois directement une GOAT avec une maille de sélectionner justement pour cette Team Clash. Ouais, mais en face, on veut changer un petit peu de cette composition GOAT comme on a l'habitude de voir depuis quelques mois maintenant. On a des picks un petit peu plus atypique, tout simplement, un Macri de la part de Beckenbauer. Et on a... Ah bah non, voilà, ça y est, je me trompe. On va, bah, du coup, je pense partir sur une GOAT, peut-être avec un Macri, du coup, pour ce dernier joueur. Oui, on hésite encore un petit peu du côté, justement, de ces joueurs des Hoshtek. Pour l'instant, je ne vois que deux supports et pas de Lucio, ce qui serait assez étonnant. Voilà, le Lucio est sorti, la GOAT avec un Zen du côté des Hoshtek Warriors, pas de surprise à ce niveau-là, alors que on va garder la main du côté de Worth, le joueur français, le seul joueur français disponible et présent dans ce match. Il va du coup mettre des bâtons dans les roues des Hoshtek, car on le sait, une GOAT séparée, c'est une GOAT qui tombe assez rapidement. Ouais, pour l'instant, on a déjà les premiers dégâts qui sont faits, le très bon mur qui a été mis, et pour l'instant, c'est le double kill réalisé pour cette équipe qui fait pour l'instant un bon petit millage correctement. On sent que les Team Clash viennent tout simplement bien rentré dans le teamfight et cette maille a tout simplement surpris leur adversaire. Et pour l'instant, ça se déroule parfaitement bien. Le point vient tout juste de se libérer et on commence gentiment à capturer ce dernier. Un teamfight très rapidement remporté. On le voit à quel point le travail wall de la maille a fait absolument tout ce teamfight. On n'a même pas pu charger les ultimates. Fierce sera quand même full charge pour le prochain fight avec Sazaria. De quoi faire de lourds dégâts. Et justement, on a encore un wall. On a split pas mal de monde. Mais on perd créa la brigade du côté justement des défenseurs. La Team Clash est en difficulté. On va essayer quand même de contrecarrer les adversaires qui ont réussi à se regrouper malgré la maille de Worth. On va se diriger petit à petit sur le point. Mais on va perdre la diva. Le wall qui est encore une fois de sortie. On s'installe peu à peu sur le point. Allez, pour l'instant, le très beau choc smic est envoyé malheureusement, qui ne prendra personne. On a juste un petit peu mis la pression à ce shield du Reinhardt et le mur du stone tout simplement qui est envoyé du côté de Yoshio pour contester un maximum. Et la double transcendance envoyée dans cet intérieur pour l'instant qui permet de temporiser un maximum sur ce point. On continue à se battre, hein. Les ultimates sont lancés, on prend les pics du côté justement de la Team Clash, mais au final, eh bien, le point a été capturé. Ce seront quelques pourcentages de sécurisés par cette équipe de Hoshtek Warriors, mais on va perdre le point très rapidement, seulement 9% de capturés. On va même prendre le pic sur la brigitte de leur PQA qui meurt juste à l'instant. Un gros délai, hein, sur cette brigitte
qui devra du coup rejoindre son équipe avec pas mal de temps de retard. Ah ouais, regarde-moi ça, les ultimates aussi qu'on a. On a tout simplement énormément d'ultimates du côté de la Team Clash. Et voilà, ce le ralliement de Créa qui vient d'être envoyé. Mais on a Wars, Wars, le joueur français, comme tu l'as bien nommé, qui a son ultimate avec Mei. Il peut zoner ce choke. Et regarde-moi ça, on attend le mur qui va être placé pour diviser cette équipe. Et voilà, le très beau choc sismique, pardon, contré. Et l'écouteur sismique qui ne prendra personne. Et on utilise pas mal d'ultimate, les deux Reinhardt qui se font face. Et au final, eh bien, c'est la Team Clash qui arrive à remporter ce duel malgré un très bon shatter de Visto. Mais on va devoir maintenant retourner au spawn. Encore une fois, on se rapproche petit à petit des 100%. Les ultimates sont toujours à l'avantage de la défense puisqu'on a toujours ce Blizzard du côté de la Mei qui pourrait faire un travail monstre, suivi bientôt d'un Graviton du côté de Fierce qui pourrait pas tarder à sortir pour mettre fin au débat. Il faut absolument trouver la solution du côté de HT Quarrier. Ouais, on a encore une fois l'avantage d'ultimate, quoique en face on a quand même pas mal de combos qui sont faits. Encore une fois, le mur qui est là pour scinder cette équipe, et c'est Kreia qui prendra le premier kill sur son Magette, pardon pour l'instant. Et c'est les dégâts qui sont très bien mis, l'ultimate de Mei qui zone ce choke, et grâce à cet ultimate on a pu caper ce point, 9% contre 100%. On a senti que la Mei a vraiment posé le problème à cette équipe, il va falloir se ressaisir si on veut remporter le deuxième side. Rien à dire, hein. Le travail de la Mei a absolument annihilé les espoirs de ces Tech Warriors qui n'ont tout simplement pas trouvé la solution. À chaque fois, on avait au moins une personne de séparée, très très bien bloquée ici par les joueurs de cette Team Clash. Ils ont visiblement bien travaillé cette composition. Ils vont garder d'ailleurs la Mei sur cet hôtel de Népal, alors que la composition des Tech Warriors, elle va rester tout à fait la même. La Goat avec un Zen, visiblement, on ne change pas de plan, même en difficulté. Ouais, on veut tout simplement montrer qu'on peut contrer la Mei avec les picks dans lesquels on a joué tout à l'heure. Et pour l'instant, vous voyez là, comme tu l'as dit, la composition qui ne bouge pas du côté des deux équipes. Et on veut partir du coup directement sur le point du côté de nos chers Hashtag Warriors. Et là, contrairement à leur adversaire, pardon, qui eux décident de partir du coup sur le côté. Et on évite un petit peu le poke de début de fight et là on s'installe rapidement sur le point, on fait même reculer les adversaires, la diva qui était un petit peu split et finalement a réussi à s'enfuir, on va pouvoir repartir à l'assaut, on a plus de wall du côté justement de cette Maid of Wars, on ne peut pas vraiment avancer, les joueurs des Team Clash vont juste s'installer petit à petit sur le point, le mur encore une fois va venir bloquer les attaquants, on arrive à séparer Solution qui ne tombera pas, il arrive à s'en sortir et finalement eh bien c'est les joueurs des Team Clash qui se font complètement éliminer par leurs adversaires. Ouais, pour l'instant, très très beau teamfight hein, réalisé en délicatesse, en souplesse tout simplement. Et on a remporté ce premier teamfight. Et en plus de ça, on a aussi remporté la charge d'ultimate parce qu'on en a quand même pas mal hein, qui vont arriver. On a le choc sismique pardon, de Visto, on a l'Orp Q8 qui va avoir son ralliement. Mais on a beaucoup aussi en face qui vont bientôt arriver, le ralliement de Kreia et peut-être pas la Graviton de Fierce. Très bon travail de patience hein, de la part des HT Warriors. Ils ont réussi à éviter les murs de la Mei sur ce premier teamfight. Est-ce qu'ils vont réussir à les éviter sur le prochain? On va voir ça tout de suite puisqu'on s'avance petit à petit mais sûrement sur le point. Le mur encore une fois va essayer de séparer l'équipe mais ça ne marchera pas. On va plutôt contourner du côté de Visto. Visto qui va utiliser son shatter directement sur le Zenyatta. Est-ce qu'on peut prendre le pic? C'est fait. Fryu qui tombe. On va enchaîner avec le Graviton. Il n'y a pas d'ulti défensif pour tenir tout le monde en vie. Et c'est les kills qui sont faits. Les HT Warriors vont encore une fois remporter ce teamfight. Oh là là, mais regarde-moi ça, ça va être un déluge d'ultimate car on va avoir les 6 ultimates du côté de nos chers amis, la Team Clash tout simplement. Alors qu'en face, on a quand même utilisé la Graviton, on a utilisé le choc sismique de Visto et l'Orp Q8 qui a lâché son ralliement. Donc on va avoir du mal, sauf si on arrive à faire une très bonne transcendance de la part de Sir Mage, il va falloir clutch si on veut espérer remporter le prochain teamfight et pouvoir s'emparer de la deuxième map. Et là pour l'instant les deux équipes vont se faire face, on revient à chaque fois au même endroit hein, du côté des joueurs des Team Clash, on va jouer avec le poteau central, le mur qui va venir peut-être essayer de bloquer qui que ce soit mais on n'arrivera à voir personne, le graviton qui est lancé, le mur du son pour le contrer, la transcendance, les deux ultis défensifs qui sont utilisés alors que le blizzard est lancé à son tour, tout le monde est freeze, on ne peut pas faire de dégâts, on enchaîne, on balance tout du côté des joueurs des Team Clash, on va absolument récupérer le point rapidement et pour l'instant ça marche puisque les kills sont en leur faveur, il ne reste plus personne pour contester, le point est finalement. Oh mais ça marche, mais à quel point, à quelles extrémités on a dû arriver pour récupérer ce dernier. On a utilisé quasiment tous les ultimates, il nous reste que un seul ulti défensif, celui de Yoshio sur son Lucio. Ça va être très très compliqué, en face on a des combos, on va avoir la Graviton qui va être de sortie, on a Jazafena qui va avoir son ultimate de Diva. Donc on a l'opportunité de clutch tout simplement ce teamfight, de boucler là.
Ouais, sauf que Visto ici est séparé encore une fois par le mur de bail, il ne s'y attendait pas. Bloqué cette fois-ci, il ne peut rien faire, il tombe, le combo Gravity Bomb ne prendra personne ici. On arrive à très bien rester en vie, le teamplay des Team Clash justement va leur permettre de remporter ce teamfight assez rapidement. Normalement, on va essayer de tenir en vie tout le monde et c'est fait. Les joueurs des Hashtag Warriors sont obligés de reculer. Ce match va mourir ici en dernier, un petit peu en décalé. Ce qui va donner toutefois l'opportunité encore une fois au Team Clash d'avancer et d'éliminer Visto. Oh, le très bon mur de mail qui empêche Visto, comme tu l'as dit, de reculer. Il était bloqué par ce mur et pour l'instant, regarde, ça, on va aller chercher très très loin, espérer récupérer un dernier pick. Même aller le chercher dans le spawn si on le peut. Mais en tout cas, malheureusement, ça ne suffira pas. On ne prendra pas plus de pick pour ça. Et on va décider de se retrancher dans notre zone de confort et de retourner sur le point là où sûrement aura lieu le prochain et dernier teamfight. On a eu du mal à installer cette May du côté des Team Clash sur ce deuxième round, mais maintenant qu'elle est posée sur le point, elle est véritablement meurtrière. Ces murs arrivent tout simplement à bien séparer les adversaires. Il faut absolument trouver un endroit où on ne sera pas coincé justement par elle. On essaye d'arriver sur le main, le Visto va tenter un pin, il va réussir à prendre l'Azaria. Est-ce qu'il a réussi à le mettre dans le vide? C'est fait, mais ça coûte quand même 1 pour 1 le graviton qui a été lancé. Justement pour les attaquants, ne tuera personne puisque la transcendance est là pour contrer tout. On enchaîne maintenant avec le KD, Bécontif qui met énormément de dégâts avec son Reinhardt, mais la transcendance est là pour sauver pas mal de vie. On aura quand même perdu la frontline, il reste plus grand monde. On est sur le down teamfight, Créa va tomber. On enchaîne l'équipe de chaque côté et pour l'instant, le combat fait toujours rage. Ouais, le kill feed des bleu, blanc, rouge, mesdames et messieurs, c'est le drapeau de la France dans ce dernier. Et le très beau choc sismique qui mettra peu de personnes dedans. Et pour l'instant, le mur du son de Yoshio qui est envoyé, mais en face, on a Beckenbauer qui vient d'envoyer, quant à lui aussi, son mur du son. Le très beau ultimate de Worst qui vient d'être mis, qui vient de zoner ce tout simplement de geler ce Hammond. Et qui va tout simplement permettre, encore une fois, à cette équipe de Team Clash de remporter cette première map. Et 2 à 0 sur cette map de Népal, rien à dire, hein. La May fait un très très bon travail, même si elle a du mal à s'installer sur ce deuxième point. Là, c'est clairement mérité, une fois qu'elle s'était posée, elle était vraiment le problème. On l'a vu, c'est Visto, malgré tout, avec Reinhardt qui aura le play of the game. Énormément de dégâts réalisés là par notre ami Visto sur son Reinhardt. Ça n'aura malheureusement pas suffi pour nos amis des Hashtag Warriors qui viennent de s'incliner 2 à 0 sur Népal. Voilà, il y avait cette May en face de Worst. Alors May, effectivement, la goutte avec la May, c'est une composition qui se contre généralement plutôt bien. Mais là, pour le coup, les Hashtag Warriors, Dams, n'auront jamais trouvé la solution face à Worst. Ils n'ont pas vraiment réussi à contrer cette maille, à part sur le début du second round où clairement ils ont réussi à être patients, à partir ensemble. On avait vu un travail du Lucio et de la Diva pour essayer justement de faire sortir ces murs sans pour autant être coincés, puisque ce sont les deux personnages qui ont le plus de mobilité. Mais une fois que la Team Clash a réussi à revenir et à s'installer petit à petit sur le point, la maille s'est montrée être un nouveau problème, à nouveau le même problème. Et ils n'ont pas réussi vraiment à s'en débarrasser. Donc, on le voit, la May des Team Clash a clairement fait le travail. Pour moi, c'est la stratégie qui était parfaite pour contrer les Hashtag Warriors. Surtout que Worst, au niveau de ses murs, en plus, il était mécaniquement parfait. Autant ses piques à glace, il touchait pas vraiment souvent. Je l'ai regardé un peu longue partie du side. Mais sur ses murs de glace, vraiment, il était incroyablement parfait dans ses timings, surtout, et dans ses placements. C'est-à-dire qu'il pouvait faire un espèce de flick shot de mur de glace et le placer exactement au bon endroit, au parfait moment. Donc voilà, c'est un pic qu'il a travaillé, notre ami Worst. Après, maintenant, Vatko, là, on va partir sur Route 66. Est-ce que tu penses que nos amis des Clash qui vont commencer en défense pourraient ressortir cette mail? Ça dépend, parce qu'il y a d'endroits close où le mur de May peut bloquer cette équipe. Après, c'est vrai qu'on peut s'en servir pour empêcher, pour encore une fois diviser, faire perdre un petit peu de temps à cette équipe des Hashtag Warriors. Après, il y a des picks bien plus intéressants qui permettent de faire ça. Un petit bastion peut-être qui peut être sorti de la part des côtés des deux équipes, donc à voir en tout cas. Mais je ne pense pas que la May forcément sera ressortie sur cette map, car la map est trop ouverte pour voir ce pic dans la game. Eh bien, on verra si cette map ouverte, cette map aérienne, cette map qui d'habitude est si propice aux Widowmaker qui, malheureusement, bien dans la coupe aux GOAT, n'ont pas beaucoup leur place comme l'ensemble des DPS. Messieurs, Dams, Vatko, et notamment mon cher Dams, je vais te laisser prendre la parole pour ce qui va être la défense des Team Clash sur Route 66.
Et justement, la défense des Team Clash, elle me semble très intéressante puisque je ne vois pas de goats de sortie ou rien de sélectionné dans ce genre-là. Je vois plutôt une dive plutôt classique avec Tracer du côté de Warz, un Soldier même du côté de Kréa. De quoi être très intéressant. Le Soldier, on le voit très très peu ces derniers temps. Ça fait un bon moment qu'il n'est plus dans la méta. Et pourtant, sur cette map-ci, il est parfois de sortie. Il y a énormément de hauteur sur le premier point, surtout si on tente de faire des défenses très agressives pour bloquer le convoi dès la sortie, justement. Du spawn des attaquants, donc peut-être de quoi déstabiliser les Hoshtek Warriors qui eux vont garder une composition très similaire à la précédente puisque c'est une Goats, mais cette fois-ci on abandonne le Z pour une Ana. Ouais, le Ana qui va tout simplement privilégier bah, sa grenade qui est juste incroyable. Si on arrive à bien en anti-heal tout simplement tous les ennemis, ça peut faire vraiment la différence, bloquer le heal comme ça de ses mates. Et pour l'instant, regarde-moi ça, je sais pas si vous avez un petit peu de point de vue, mais on a une défense plutôt atypique de la part de nos joueurs qui veulent contester, mais pas dans le wagon, mais sur ce dernier, pour prendre par surprise tout simplement ses joueurs. Ouais, prendre par surprise, ça va être l'objectif, mais je pense qu'ils ont été vus hein, très très rapidement. Ils vont même se montrer, ils vont directement essayer de faire des dégâts et charger leurs ultimes le plus rapidement possible. Le convoi est déjà atteint par Vistone qui va pousser tranquillement ce dernier derrière son bouclier. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, hein, c'est une goat, hein, ils peuvent tout simplement être patients et attendre le bon moment, attendre l'erreur de placement de l'un ou l'autre joueur. C'est Bacon Steve qui lui prend énormément de dégâts, va être obligé de reculer. Et c'est là qu'on voit, hein, la Goats, elle ne se laisse pas faire. Les défenseurs sont obligés de back constamment. Oh, le très très bon travail de la brigade qui zone se monter pour l'instant. Et c'est voir ce qu'il vient de récupérer le premier kill sur Bakenboar. Et pour l'instant, c'est du 1 pour 1. On a perdu le Monkey Gmi qui vient à l'instant de se faire ressusciter. Et ça sera sur Mage qui vient de se faire récupérer sous les beaucoup de frayou. Et on a quand même réussi à prendre quelques piques. La défense devrait pas tarder à l'emporter. Pour l'instant, on va essayer d'éliminer ce Reinhardt. Visto qui est un petit peu en arrière, en retrait. Il ne pouvait rien faire dans la backline, justement, des joueurs des Team Clash. Les Hoshtek sont obligés de se regrouper. On ne change pas la composition. On a quand même réussi à parcourir une bonne trentaine de mètres. Et surtout, on a chargé quelques ultimates. Xarplaze se rapproche très rapidement d'un graviton. De quoi peut-être débloquer la situation. La bombe de Worse qui ne collera personne. On est obligé de back maintenant. On va essayer vraiment encore une fois d'attendre l'opportunité, attendre l'erreur d'un des joueurs de Hoshtek. Et pour l'instant, la pression qui est mise sur le top directement pour contester ses hauteurs. On a seulement la tresseur de voir sur le payload. Et ça y est, l'agression qui continue d'être mise. Et pour l'instant, personne n'arrive à prendre de pique. C'est le ralliement qui vient ouvrir les hostilités de leur PQI qui vient d'être envoyé pour l'instant. Et là, c'est très très compliqué. Malheureusement, l'autodestruction de Fierce, qui ne prendra personne. Mais c'est le ça y est, c'est les ultimates qui sont envoyés. C'est Kréa qui envoie sa visière tactique. Malheureusement, qui prend un seul kill sur Zazafena et qui vient de se faire récupérer sous les coups de Scarface. On échange énormément d'ultimate, la transcendance qui est lancée en même temps que le graviton des attaquants et ça va quand même permettre de prendre le pic malgré le heal justement de cette transcendance. Les deux supports vont s'effondrer face aux dégâts des attaquants. Les Hoshtek Warriors font énormément de pression sur les défenseurs mais ça n'a pas l'air de suffire puisque Worse va réussir à éliminer Visto. On continue d'enchaîner les kills de chaque côté, on essaie de contester au maximum, il ne reste plus que les tanks en vie ainsi que la tresseur de Worse qui va continuer à contester. Le convoi est toujours à l'arrêt mais on finit par s'essouffler, les défenseurs sont obligés de s'incliner. Les attaquants vont enfin pouvoir avancer. Ouais, on a quand même gagné 2 minutes 20 sur ce premier virage tout simplement. On a tout simplement gagné énormément de temps. C'est vrai que c'est très compliqué de défendre hein, tout simplement ce premier point car on le sait hein, là, on le sait comme dit une certaine personne, c'est une map troisième point, c'est plus facile de défendre lorsque le spawn est à notre avantage. Mais regarde-moi ça, on a Worse, bah voilà, il me fait mentir. Worse qui a sorti une maille de qualité mesdames et messieurs comme on a pu voir sur la première map de tout à l'heure. Est-ce qu'il va réussir à avoir autant d'impact sur la première map que sur la deuxième map que sur la première? On va voir ça d'ici quelques instants. Ils sont au bon endroit, hein. Ils sont bien placés, mais ils perdent leur Zenyatta. Le mur de Mei va être détruit très rapidement. Et là maintenant, on a la grenade anti-heal qui va permettre à Visto directement d'éliminer deux joueurs. Ça va rouler du côté des attaquants, les Hoshtek Warriors qui vont tout simplement se débarrasser de leurs adversaires. Le team kill qui sonne. Rien à dire, c'est bien joué hein, ici de la part des Hoshtek. Ils n'ont tout simplement pas laissé le temps à leurs adversaires de s'installer. Ouais, les Hoshtek, hein, comme je viens de le dire, eux, ils ont énormément d'ultimate, énormément de ressources à utiliser lors du prochain teamfight. On a la Diva qui pousse tranquillement le payload et l'agression de la part de tous ses mates qui se fait sur la hauteur pour empêcher tout simplement cette équipe d'avancer. Malheureusement, ça ne suffira pas. On a le mur de mate qui est envoyé, qui ne zonera personne. Le mur du son de Bekamber qui vient d'être envoyé et qui vient tout simplement d'être annulé. Je fais du clignier, peu de dégâts.
Et là on perd directement le Reinhardt du côté de la défense, on ne peut pas vraiment contester plus que ça. On va du coup aller mourir sur le convoi, on ne peut pas prendre d'élimination malgré le fait que Visto a été gelé par Warslamey. Essaie de contester au maximum mais elle est très rapidement éliminée tout comme le reste de son équipe. On va pouvoir continuer la course et on ne trouve tout simplement pas la solution hein, du côté des défenseurs. On n'a pas les ultimates, hein, le switch ici peut-être un petit peu tardif qui leur coûte tout simplement leurs ressources. Tandis que eux les attaquants en ont encore puisqu'ils ont toujours 3 ultimates en réserve, bientôt 4. En comptant le ralliement, on ne pourra pas contester. Ouais, ça paraît très très compliqué. On va s'approcher très gentiment de la fin de cette map, pour le, tout simplement de ce side. On vient de capturer ce deuxième point et là on va s'approcher très dangereusement de ce dernier virage qui est très significatif. Mais le choc smic qui prendra malheureusement personne, la transcendance qui vient d'être envoyée et la charge qui a été utilisée dans celle-ci, malheureusement ça prendra rien. Le très belle Graviton envoyé beaucoup d'ultimate, malheureusement on a raté l'autodestruction du méta de Diva et malheureusement on n'arrivera pas à prendre du kill du côté des Hochtag. Énormément d'ultimes investis des deux côtés, mais au final, eh bien, c'est la défense qui va pouvoir s'en sortir. La Baby Diva ne va pas être éliminée tout de suite. On va essayer de gagner un maximum de temps. Voilà, quelque chose fait, on l'élimine lorsqu'elle arrive enfin à son spawn. Il reste encore 3 minutes au compteur et seulement un seul ultime en réserve du côté des défenseurs. La Team Clash doit absolument trouver la solution pour tenir rien qu'avec ça. L'équipe attaquante, elle, a encore pas mal de temps et surtout un nanoboost qui pourrait faire énormément de mal sur, par exemple, un Reinhardt du côté de Visto. Oh là là, le Reinhardt à pousser, ça fait tellement plaisir à voir pour l'instant. Et en plus, ça va permettre tout simplement à ce dernier de charger son ultimate et de faire un shot smith qui peut tout simplement faire la différence et permettre à cette équipe d'avancer et de pousser le pelote le plus loin possible. Très bon slip hein, qui a été envoyé sur Yoshio qui vient de se faire réveiller pour l'instant. Et on n'ose pas mettre la pression plus que ça. On défend l'un devant le pelote, l'autre derrière. Donc ça va paraître très compliqué. Et voilà, l'ultimate de May qui est envoyé pour prendre l'avantage tout simplement et avoir l'initiative. Malheureusement, personne ne sera plus de là. Ouais, la phase de poke ici qui va tout simplement donner l'avantage à la défense. Hein. L'ulti finalement de Maker a quand même permis de débloquer un kill sur le main tank. Le nanoboost sur l'Azaria d'Oxarplace n'aura rien donné. On a perdu cet ultime important. Et là maintenant on va même prendre l'élimination sur cette Brigitte qui avait été séparée de son équipe. Là Naussi de Surmaged ne pourra rien faire. Rattrapé aussi par les défenseurs. Wars s'est plutôt bien installé cette fois-ci encore une fois avec sa Mei. On le voit, hein, c'est une stratégie qui met du temps à être mise en place. Mais une fois qu'elle l'est mise, eh bien on ne peut plus rien faire. Les Hochtag sont à chaque fois en difficulté. Ils doivent trouver la solution contre cette équipe des Team Clash. Il va falloir faire quelque chose pour l'instant. Le payload n'arrive pas à avancer plus loin que ce deuxième point. Et c'est Freyou qui va prendre le premier kill sur son match. Et voilà, ça va être le moment qu'on attendait tous. Et pour l'instant, ça va être très très compliqué d'avancer. Regarde-moi ça, on a décidé de prendre directement les hauteurs. Et bah voilà, au moment où je dis ça, on redescend du côté du Reinhardt et on recule un petit peu. Quitte à essayer tout simplement de récupérer ces dernières. Mais en attendant, on a le Zenyatta qui est sur le point de revenir. C'était une belle idée d'aller prendre les hauteurs, mais ça coûte la vie à ce pauvre Zenyatta sur Magic qui ne pouvait tout simplement rien faire. Il a été éliminé par son homologue et là maintenant on va pouvoir avancer. Le KDK a été lancé, on va mettre Créa au sol, mais on n'aura pas de kill de fait. Ici les deux gravitons qui ont été lancés, les transcendances qui sont lancées à leur tour, ainsi que les rallyes, beaucoup d'ultimes lancés, mais pas de kill de prix, hormis peut-être une Brigitte maintenant. Le mur de Mei qui peut protéger tout le monde malgré le shatter lancé. La défense semble finalement s'essouffler, mais on va continuer à contester. Créa qui prend deux kills, la Brigitte qui est tout simplement on fire, qui va tout simplement permettre à cette équipe des Team Clash de tenir tête à ses adversaires. Oh, le temps qu'on gagne hein, sur ce P2, sur ce troisième point, pardon, on a gagné tout simplement 2 minutes supplémentaires. On n'arrive pas à faire avancer ce payload alors que le reste était tellement bien passé de la part des attaquants. Et là, c'est très très compliqué. On va devoir attendre la diva de Jazafena qui va revenir petit à petit dans la course. Voilà, ça y est, elle vient d'être ressuscitée. Et on veut tout simplement repasser sur les hauteurs. On a raté le saut de la part de quelques joueurs. C'est terrible, le gros coup dur pour cette équipe. Mais en face, regarde-moi ça, on a Wars avec sa Mei qui va avoir son ultimate et qui a déjà son ultimate. Et cette ultime encore une fois qui pourrait faire toute la différence. Et on va de nouveau repartir sur l'entrée principale. On n'arrive pas vraiment à se décider du côté des Hashtag Warrior. On perd énormément de temps justement à cause de cela. Et on va finalement s'avancer. Mais comme tu le dis, Warsa son ultime, il devrait pas tarder à le lancer. On essaie vraiment d'avoir l'opportunité de le faire. Et c'est parti, l'ultime a été envoyé. Mais il a été mangé justement par Jasafena, la diva. On va du coup devoir enchaîner avec le graviton du côté des défenseurs. Les attaquants font la même chose. Mais on est très très bien pris. On peut pas vraiment suivre les dégâts alors que la transcendance tient tout le monde en vie. Le KD est lancé, tout le monde est au sol, on va enfin pouvoir avancer, j'ai l'impression, du côté des attaquants. Ouais, le très beau choc smic qui a fait tout simplement la différence, qui a mis 3 personnes au sol, et c'est leur PQ8 qui vient de prendre un double kill sur cette front lane. On va pouvoir avancer, mais il serait temps, car nous sommes en overtime, il ne faut absolument plus lâcher le payload si on veut espérer remporter cette. Aller toucher par exemple, pardon, ce troisième point. Ça y est, c'est fait, on a gagné ce teamfight, et là petit à petit, le payload reprend sa route.
Il était temps, ça leur a quand même pris plus de 3 minutes à juste débloquer ce qu'on voit sur l'entrée de ce checkpoint. Checkpoint qu'ils avaient eu assez rapidement et au final, eh bien, c'est une véritable débandade qu'ils ont dû subir pendant plus de 3 minutes face au changement de composition et à la stratégie des défenseurs. Stratégie des défenseurs qui pourrait se mettre encore une fois en place, mais la Diva Bomb ici va essayer de prendre des pics. On arrivera très bien à l'éviter, les deux murs du son qui sont lancés. Visto qui est gelé, on ne peut rien faire du côté de Sir Reinhardt, on subit un petit peu les combats et là... Encore une fois, énormément d'ultimes, le graviton est lancé du côté des attaquants et puis maintenant des défenseurs. Ouais, c'est très bonne transcendance à la part des défenseurs qui vient simplement zoner cette équipe et tout simplement maintenir en vie tous ses joueurs, tous ses mates. Et pour l'instant, ça a l'air d'être fait, on a récupéré deux pics très importants. Malheureusement, les attaquants ne doivent pas lâcher payload et voilà, c'est fait. On n'aura pas touché le troisième point, mesdames et messieurs. C'est-à-dire qu'on ne partira pas sur un troisième et un quatrième side. Le prochain side sera décisif pour cette équipe des Hashtag Warriors. Rien à dire, une très bonne défense. Hein. Le premier checkpoint par exemple était un petit peu difficile, on l'a vu. Hein. La dive contre la Goats aura tenu un petit peu, mais aura quand même fini par céder face à la Goats justement des Hashtag Warriors. Le second point, ça aurait été très rapide. Hein. Les Hashtag Warriors s'étaient installés, il y a eu un switch de composition en plus du côté des défenseurs. La Team Clash ne pouvait pas vraiment riposter sans ultimate, mais une fois qu'ils les ont débloqués, eh bien... Le troisième checkpoint a clairement été à leur avantage. Ils ont complètement bloqué, encore une fois, leurs adversaires par leur stratégie avec la Mei, hein, qui fait un très très bon travail. Donc il va falloir absolument trouver la solution, sinon on se dirige vers un 3-0 assuré pour la Team Clash. Ouais, mais là, regarde-moi ça. On veut partir sur des pics un peu plus exotiques, un peu plus différents du côté de ces attaquants. Bon, on aura encore une fois, bien sûr, l'opportunité de switch. Par contre, les défenseurs, pardon, eux vont partir sur la compo habituelle, comme on a l'habitude de voir, la fameuse GOAT avec un Zenyatta pour Sir Mage. Alors là, Goats avec un Zen, de quoi faire énormément de dégâts et surtout de quoi aller contester presque immédiatement. Est-ce que ça va être leur stratégie ou est-ce qu'ils vont préférer attendre sur le toit de cette station essence? Je vois une Diva qui s'avance énormément hein, du côté de Jazafena. On va peut-être essayer de tout simplement avoir les informations sur la composition adverse. Les deux équipes pour l'instant ne sont pas vraiment décidées sur la stratégie à adopter, quoique si les défenseurs eux vont avancer. Je vois Visto, le Reinhardt qui va aller se diriger directement dans le wagon de train. Ouais, pour l'instant, regarde-moi ça, on a quasiment la même stratégie du côté de cette équipe du défenseur. Pour l'instant, on veut gagner un maximum de temps sur ce premier point et faire et avoir l'avantage. Mais regarde-moi ça, comme je le disais, on a une composition un peu plus exotique. On a Worst qui est parti sur une Pharah, Yoshio sur une Mercy et Kréa qui nous sort simplement le pic de Merveille pour l'instant qui vient de prendre les premiers pics, qui sera son bras. Ouais, rien à dire, hein, ça marche plutôt bien pour l'instant cette stratégie avec ce poke depuis les airs et surtout la Sombra dans le dos. Et eh bien ça permet tout simplement de faire reculer les défenseurs. Les Hashtag Warriors ne s'attendaient clairement pas à ça. Ils sont déstabilisés et surtout ils sont séparés, ils ont perdu deux joueurs. Ils sont obligés de se regrouper. En attendant, le convoi, lui, il a déjà parcouru une quarantaine de mètres. Pour l'instant, regarde-moi ça, ce premier teamfight qui s'est déroulé à merveille pour cette attaque. Et on a, encore une fois, chargé beaucoup d'ultimates. On a Worst hein, qui met tout simplement la pression sur ce top, qui met d'énormes roquettes, surtout qu'il est bien babysité par sa Mercy. Le payload qui vient de passer le dernier virage de ce premier point. On veut prendre à revers cette équipe des Team Clash, pardon. Et regarde-moi ça, les hostilités qui sont déjà enclenchées. Et Visto qui vient de récupérer le premier kill sur le Zenyatta de Freya. Il est clairement allé le chercher avec le reste de son équipe et ça a payé en paire le Zenyatta, mais on va du coup le payer en perdant aussi l'Ana du côté de Stormage qui avait été laissé seul par son équipe. Ça donne l'avantage à l'attaque pour l'instant. Le MP qui a été lancé tandis que Worst lui continue son travail depuis les airs. Il va réussir à éliminer tout le monde. Vraiment, il ne reste personne en dessous de lui. Il a clairement montré que la mort venait du ciel. Le checkpoint est capturé pour... Excusez-moi, il a nettoyé ce payload pour l'instant, très très belle ultimate et on s'est regroupé. Il va falloir faire quelque chose parce que la time mais quand elle est juste incroyable. On a un peu moins de 5 minutes pour aller espérer chercher ce deuxième point et gagner encore plus de temps. Donc il va falloir se réveiller, contester un maximum. Et pour l'instant on a du coup, comme on l'a pas précisé, mais le Zenyatta de Sir Mage qui vient d'être switch sur une Ana pour tout simplement essayer d'aller poke un petit peu cette Pharah et l'embêter un peu plus qui elle est trop free. Mais attention, on a Bacon Thief qui va avoir son shot sismique. Et on va même aller par derrière hein, du côté des joueurs de cette équipe des Hashtag Warriors. Mais on est très très bien contré par un très bon ultimate de la part de Bacon Thief. Le choc sismique qui aura réussi à mettre pas mal de monde au sol. Visto qui n'était pas sur sa frontline ne pourra tout simplement pas sauver son équipe. Encore une fois, un teamfight qui se déroule très très bien pour les attaquants.
Ouais, très très belle opération, mais encore une fois, ça va être une battle de choc sismique parce que là, ce sera Visto qui va avoir son ultimate. Mais on a aussi Xarplace qui va avoir sa graviton, donc on aura encore une fois des ultimates pour défendre et espérer remporter et empêcher tout simplement cette équipe d'aller chercher le deuxième point. Et ça y est, on conteste directement sur ce dernier. Et pour l'instant, aucun pic n'est fait, on a toujours la Pharah qui survole les airs et prend une pique à l'avantage de ses attaquants. Mais là c'est Lazaria qui est tombé, on n'aura pas le graviton du côté des défenseurs alors que les attaquants eux vont l'utiliser. La frontline vient de s'effondrer du côté des Hashtag Warriors, il ne reste plus grand monde pour contester ce qu'on voit leur piquer. Et va lui-même s'effondrer à son tour. Encore une fois, un teamfight qui se déroule à merveille en utilisant seulement un ultimate pour les attaquants. Le graviton qui aura été tout simplement parfait pour contrer encore une fois ces Hashtag Warriors. Et on a décidé du coup au fin de compte de repartir sur un Zenyatta du côté de son match. On a besoin de dégâts, on a besoin de faire du mal à cette Pharah qui est vraiment trop à l'aise dans les airs. Personne n'arrive à la contester. Attention parce qu'on a encore une fois énormément d'ultimate. On a Kréa, bah voilà, j'allais le dire, Kréa qui envoie. Et c'est très très belle utilisation de cette EMP. On a Wars qui enchaîne sur un double kill, mesdames et messieurs, qui vient de se faire récupérer par Beckenbauer. Et pour l'instant le Rez, le Shio qui vient de faire son travail à merveille. Le teamfight encore une fois qui a l'air d'être pillé. On a 4 minutes 27 et même pas une vingtaine de mètres à franchir pour remporter cette map. Ouais, très belle opportunité de combo hein, cette EMP barrage qui marche à merveille, qui va encore une fois leur donner le teamfight. 4 minutes 17 pour seulement une dizaine de mètres encore restantes et j'ai l'impression qu'on ne va pas pouvoir contester, surtout que ce cadet ici vient bloquer pas mal de monde. Beconsif qui a failli mettre fin à la game, mais on a réussi à avoir un graviton du côté de Xarplace qui vient contester au maximum. Et le double kill de prix par Jazafana, la diva qui vient peut-être de sauver son équipe, mais tout n'est pas encore fini. Le convoi est encore disputé pour l'instant, mais la défense va finalement tenir. À quel prix, encore une fois, énormément de team investi. Ouais, c'était le moment d'envoyer sa bombe de divide, de faire le clutch et de prendre ce fameux double kill pardon, qui a fait la différence et qui a permis à cette équipe de défendre à même pas 2 m50 de l'arrivée. C'est ce qu'il fallait. Mais attention à ne pas se laisser déborder parce qu'on a Wars. Wars qui a changé sa Pharah et Yoshio qui a changé son Lucio. Sa merci pour partir sur une Mei et sur un Lucio. Et le switch de Mei ici qui a failli prendre le premier kill. Le graviton qui a été lancé, la transcendance qui est utilisée pour tenir tout le monde en vie du côté des défenseurs. Bacon Thief qui est un petit peu séparé va finalement tomber. On a réussi à encaisser ce nouvel assaut des attaquants. Les Hashtag Warriors vont pouvoir garder la tête haute pour l'instant, du moins sur cette map de Route 66. Tout n'est pas perdu. Il leur reste quand même 3 minutes à tenir. Ils se rapprochent d'un graviton. Ouais, on a quand même de quoi faire des ultimates, de quoi faire des combos pour l'instant. On a encore ce. Peut-être enclenché, allô, vous m'entendez? Oui. Ah, j'ai un petit souci, excusez-moi, bon, je viens de cracher, je te laisse reprendre. Ah d'accord, c'est pas grave, pour l'instant la Team Clash va devoir continuer à avancer. Frayou va tomber, les deux supports qui s'écroulent pour l'instant. La défense va encore une fois tenir, très très bien réagir de la part des défenseurs. Visto va pouvoir tenir toute son équipe en vie grâce à ce cadet. Rien à dire, belle performance pour l'instant. Les Hashtag Warriors vont pouvoir tenir encore 2 minutes 30. Ouais, du moins, ouais. C'est bah, attention, le... hein. Attention à pas trop se donner là parce que là leur PQA et Sir Majesté, ils se sont avancés un peu là, ils se sont plus que 4 hein, les Hashtag Warriors sur le payload, surtout qu'on est en train de recharger hein, petit à petit les ressources là côté Team Clash. Heureusement que Fradio va tomber ici parce que ça va permettre aux Hashtag Warriors de se remettre dans leur momentum, permettre à leur PQA de revenir, notamment il est encore un peu loin cette Brigitte. Et on essaye vraiment de se regrouper et d'éviter de prendre le moindre kill du côté de la défense. Il faut absolument éviter de perdre qui que ce soit. Et on va maintenant avancer. On a une opportunité. Xarplace qui est full charge va donner l'impulsion en équipe. Mais on a encore une fois le wall de Wars qui va bloquer justement cette possibilité d'avancer. Et là maintenant le graviton qui a été lancé. Les deux gravitons qui sont lancés. La bombe en plein dedans qui va réussir à prendre Bacon Thief. Mais le combo graviton Blizzard risque de faire très très mal. Et ouais, mais heureusement que Sermet est là pour totalement nullifier ce Blizzard. On a tout envoyé, mais il reste encore ce Soundwall du côté des Hashtag Warriors. Mais ça n'empêchera pas Visto et Xarplace de tomber. La contre-attaque avec la transcendance de Frayu, Jazafena qui tente tant bien que mal sur le point de résister, qui tente de gagner du temps. Est-ce que l'équipe de Hashtag Warriors pourra revenir un par un? Tous les clashs on respawn. En tout cas, on est 4, on est 5 sur le pilote. Ça va être compliqué du côté de Hashtag de revenir, de toucher le point. Il y a un cadet éventuellement de Visto qui peut passer, surtout que Bacon Thief est un peu avancé ici. Le cadet qui passe, et voilà Bacon Thief avec mis le shield malheureusement. Et le graviton encore une fois lancé de la part de Fierce. Lazaria a réussi à chercher un graviton très très rapidement. Il l'avait lancé en même temps que Lazaria adverse et pourtant il en a déjà un nouveau. Le convoi est à 2 mètres de la fin. On essaie de contester au maximum. On a réussi à éliminer le Zenyatta grâce à ce Hamon qui revient pour contester. Mais il ne reste plus personne. Si il retouche encore une fois, il donne tout. Mais il va finalement tomber. Le Blizzard va peut-être mettre fin à ce dernier contest. Le Lucio ici qui ne peut rien faire, qui est freeze, qui va finalement être éliminé. Quoique non, il continue, il reste en vie. On donne tout, mais non, on ne conteste plus et c'est fini.
Les Tech Warriors s'inclinent sur cette map de Route 66 malgré le fait que c'est écrit l'inverse sur l'écran. Ne vous inquiétez pas, c'est bien la Team Clash qui l'emporte. Visto, encore une fois, aura le play of the game. Et voilà, Visto, deux fois play of the game, deux fois malheureusement, son équipe perd la map, et les Team Clash qui vont donc mener 2-0 sur une Route 66 qui, pour moi, Dams s'est remportée au moment où, après qu'on soit allé chercher le deuxième checkpoint côté Hashtag Warriors, quand on a perdu 3 minutes devant, sans passer la porte qui se ferme, c'était trop compliqué derrière de faire quelque chose, surtout qu'en défense, les Clash ont déroulé. Ouais, clairement, cette Mei, à chaque fois qu'on arrive à la mettre en place du côté de la Team Clash, eh bien, on arrive à bloquer littéralement les Hashtag Warriors. Pour l'instant, c'est clairement le pic, j'ai l'impression, qui a tendance à déstabiliser cette équipe des Hashtag. Ils n'ont véritablement pas le team play ou la stratégie nécessaire, je ne sais pas, pour réussir à les déstabiliser, car on l'a vu, même sur leur défense, lorsque la Team Clash a sorti sa Mei, même là, dès que la Mei est sortie, eh bien, on n'a pas vraiment réussi à réagir. Worse a à nouveau fait énormément de dégâts, a fait énormément de kills, surtout a réussi à split complètement l'équipe adverse. Ils ont réussi à les séparer et à partir de là, eh bien, on le sait, hein, une goat séparée, c'est une goat qui meurt. Je vois clairement que la Team Clash a travaillé cette goat avec une Mei, alors que les Hashtag, visiblement, eux ne sont pas préparés à l'affronter. Donc, pour moi, ça joue vraiment là-dessus. Hein, niveau stratégie, pour l'instant, les Team Clash sont au-dessus. C'est tout ça, c'est ça en fait. Ils n'ont pas été préparés malheureusement à affronter cette composition. Et pareil du côté Hashtag Warriors, j'ai l'impression que dans la gestion de la macro des capacités ultimes, ça a été également un peu plus compliqué. En fait, généralement, du côté des Team Clash, on arrivait toujours à forcer une ultimate pour en forcer deux côtés adverses. C'est-à-dire qu'on envoyait une ultimate, par exemple une Graviton, et on arrivait à forcer un KD défensif et une transcendance défensive. Et c'était souvent le cas. On avait souvent une ultimate offensive qui était envoyée, qui faisait proc côté Hashtag Warriors, deux ultimates défensives. Et ça, sur le long terme, malheureusement, ça a été préjudiciable à nos amis Hashtag Warriors qui avaient fait les trials en dernier quand même. C'est pas n'importe qui. Ils sont menés 2-0 pour l'instant par nos amis des Clash. L'an dernier, ces deux équipes avaient terminé également en 8-2 sur le même score à l'Open Division. Les Hashtag Warriors étaient passés en trials via d'abord un tiebreaker et ensuite via les playoffs de l'Open Division où ils ont remonté tout le loser bracket. Donc c'était un parcours assez typique pour nos amis des Hashtag Warriors qui s'étaient fait connaître pour leur GOAT. Et bien là, malheureusement, leur GOAT, elle a trop de mal face à cette Mei GOAT qui est un si bon counter, mon cher Vatko. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment eu ce Mei qui a fait la différence, mais rappelle-toi aussi, on a eu la Pharah qui a été de mist, qui a été sortie tout simplement au début. Cette Pharah sombre qui leur a donné tellement de fil à retordre qui a permis tout simplement à cette équipe de dérouler en tout cas jusqu'à les deux premiers points. C'est incroyable en tout cas de voir des compositions qui sont sorties et on a vraiment du mal à s'adapter en face. Après, c'est des joueurs qui ont un excellent niveau, donc on a voulu tenter des choses et ça a marché en tout cas du côté de l'équipe qui a voulu sortir ces deux picks très importants parce que voilà, c'est pas forcément des picks contre lesquels, avec la méta actuelle, on a l'habitude de jouer. Donc c'est très très intéressant de voir qu'on est capable de jouer et de jouer ces picks et de jouer cette Pharah et de jouer cette Sombra. Et tout simplement, ça s'est vu qu'on maîtrise ces picks et que l'équipe en face a eu du mal à s'adapter. C'est donc Volskaya Industries qui a été choisi par nos amis des Hashtag Warriors. Alors je pense qu'on... Non, c'est bon. Les sides ont été changés et ce seront donc bien les Clash qui vont une nouvelle fois, mon cher Dams, défendre sur Volskaya, map choisie par les Hashtag. Oui, clairement, les joueurs des Team Clash ont une préférence sur la défense. Ça fait deux fois qu'ils le demandent, car ce sont les règles. Hein. Les perdants choisissent la map, mais du coup, les gagnants de la map précédente ont le droit de sélectionner la défense ou l'attaque. Et pour l'instant, les joueurs des Team Clash ont sélectionné deux fois la défense. Ils ont clairement expliqué ce choix. Enfin, ils ont clairement demandé justement de faire la défense. Donc, visiblement, ils ont envie de mettre en place leur stratégie de défense avant de mettre en place leur stratégie d'attaque.
peut-être parce qu'ils ont plus d'aise sur la défense, ou peut-être que ça se joue sur le mental. On sait, hein, si on fait une bonne défense, après, le mental de l'équipe adverse n'est pas forcément top. En plus, votre mental est regonflé. On s'est dit, OK, on a une bonne défense maintenant, on n'a qu'à faire une attaque plutôt bonne aussi, et on peut l'emporter rapidement. Donc, clairement, on a cette volonté de défendre en premier, et on va défendre d'ailleurs avec une double snipe, une composition que j'adore tout particulièrement sur ce premier point. Ouais, on a la Widow de Créa et le Hanzo de Wars qui sont de sortie pour cette défense. On a de quoi prendre des pics très rapidement et de quoi mettre des belles têtes de la part de ces deux joueurs. Après, on a une composition un peu plus volatile avec Fierce qui part sur une Diva et Bakuntif qui veut partir sur un Monkey, mais en face, regarde-moi ça, une surprise. Et bah non, j'ai cru qu'on allait sortir un Bud. Non, c'est pas vrai. On veut partir sur une Pharah Hanzo pour ses DPS pour l'instant, accompagné bien évidemment de la Mercy de Baconbauer. Mais la Pharah Mercy ici risque d'avoir énormément de mal, hein. Je ne donne pas cher de la tête de leur PQ8 face justement à ces deux snipers. Et justement, Créa va ouvrir les hostilités en éliminant le Hanzo de Xarbless qui va être ramené à la vie. Mais on perd déjà ce raise alors qu'on n'a même pas encore approché du point de contrôle. Il faut avancer petit à petit derrière le shield de Visto. Visto qui va prendre énormément de pression. Ouais, on a pour l'instant on a la pression qui est mise de la part de Créa avec sa Widow. On le sait qu'il y a la Widow, donc on joue derrière les shields et on est très très attentif. La tête malheureusement qui ne sera pas partie. On met énormément de dégâts à la Pharah de leur PQIT qui se cache correctement et pour l'instant on n'ose pas. On prend la hauteur et c'est Freyou qui va engager les hostilités et récupérer le très bon pick sur son match sur sa Ana. Mais on va réussir surtout à prendre Freyou juste après. Et là encore une fois le reste de Baconbauer qui a été lancé, mais à chaque fois on se rend coup pour coup et ça donne pour l'instant l'avantage à la défense. On n'arrive pas vraiment à avancer, quoique Visto prend énormément de risques. Il est pris à partie avec son Reinhardt, mais au final il arrivera à s'en sortir. Et c'est Xarface lui qui va enchaîner les kills. La défense est en train de s'effondrer face au Hashtag Warrior. La Team Clash cette fois-ci n'arrivera pas à prendre le meilleur sur ses adversaires. Ouais, on a fait une très très bonne première attaque, un petit peu longue, mais on a eu le temps de se positionner et tout simplement, bah, on a réussi à caper ce premier point. Mais regarde-moi ça en face, on a du coup switch cette compo double sniper pour partir sur une composition d'out avec le singe à la place du Reinhardt. Il faut absolument trouver la solution, hein. Visiblement la composition assez atypique des Hashtag Warrior les met à mal et du coup eh bien cette dot pourrait peut-être faire la différence, hein. Le Winston de Bacon Thief devrait mettre pas mal de pression sur la frontline justement, mais on a déjà deux pics de sécuriser, la brique de Wars qui va s'effondrer à son tour, le graviton qui a été lancé, on enchaîne énormément d'ultimes, on va absolument mettre fin à cette première attaque rapidement. Visto va s'avancer petit à petit sur le convoi, on a réussi à prendre 4 pics jusqu'à présent et on n'a plus aucune possibilité de contester. Le premier tiers va s'effondrer. Oh, le très beau choc sismique qui mettra tellement de personnes à terre. En tout cas, toutes les personnes qui veulent venir contester, les pics qui s'enchaînent, pardon. On a malheureusement plus de merci du côté de ces attaquants, du côté des Hashtag Warriors. Et pour l'instant, on veut suivre directement les compositions. On revient, on conteste. Et c'est Yoshio qui vient soulager un petit peu son équipe en tuant ce Hanzo. Et c'est peut-être ce pic là qui va leur permettre tout simplement de tenir la défense. On revient petit à petit, leur pick qui va utiliser son barrage très très bien contré par la transcendance de Freyou. Finalement leur pick va tomber, le Lucio de Yoshio aussi. Pour l'instant on continue de se rendre des coups, mais ça donne toujours l'avantage à la défense. Les deux supports sont tombés du côté des attaquants. Wars qui a fait un très très bon travail avec son Doomfist va tout simplement donner la victoire à son équipe sur ce teamfight. 83% de capturés, c'est un très bon premier assaut sur ce second point. Ouais, on a fait quand t'as aussi une très très bonne défense, on a évité de se faire snowball, on a réussi à sauver les meubles pour l'instant, mais en face on a du coup beaucoup d'ultimate, alors qu'on a Wars qui vient de suite du coup sur un Macri et Créa qui veut repartir du coup sur une Brigitte. Et clairement une stratégie dive protect the Macri, hein, du côté de la défense. Et justement ça va marcher puisque ce Macri de Wars va prendre le premier kill sur la Pharah. Aucune possibilité de reste, Begunsif qui va en profiter justement pour sauter dans le tas avec son Winston et ainsi continuer l'assaut. On va essayer de récupérer les derniers kills disponibles ici du côté justement de Hashtag Warrior qui sont en train de s'enfuir le plus possible. Mais c'est trop tard, on avance avec ce Lucio du côté de Yoshio pour aller récupérer justement ces derniers survivants. La Team Clash ne se laisse pas faire et doit encore défendre 4 minutes. Ouais, on veut garder ça en dessous, hein, du côté de Xarplay parce qu'on sait qu'on a le combo de Jazafena et du dragon tout simplement de Xarplay, pardon. Alors qu'on n'a pas encore la transcendance du côté de Freyou, c'est très très compliqué. Mais pour l'instant, regarde-moi ça, la pression qui est encore une fois mise. On veut contester les hauteurs. Malheureusement, pour l'instant, aucun pic ne s'en dégage, mon cher Dams.
Et on va prendre les hauteurs du côté justement de Hashtag Warrior, essayer de déstabiliser Beacon Thief, le KD qui a été lancé du côté de Visto, mais il n'aura personne, c'est le Graviton du coup qui est forcé pour essayer de prendre les kills, mais encore une fois, un très bon mur du son a été lancé par le Lucio. Wars va enchaîner avec son ultime à son tour, énormément de ressources utilisées, mais cette fois-ci, ça va donner l'avantage encore une fois à la Team Clash, on n'a pas réussi à capitaliser sur les ultimes du côté des attaquants. Ouais, pour l'instant, c'est Beacon Thief qui vient de tuer leur PQ. A été pour l'instant très très belle opération. On gagne du temps, le temps qui leur manquait pour l'instant, qui aurait pu leur mettre leur faire du mal tout simplement. Et c'est Wars qui fait un travail monstrueux de son malgré. Il touche avec ce dernier. Et voilà, encore une fois, ça se conclut sur un dernier pick sur ce dernier team, sur ce le dernier team fight qui vient de se terminer sur Xerg Place. Pardon. Rien à dire, hein, le Macri ici, la stratégie Protect the Macri qui marche très très bien pour la Team Clash. On va aller swap maintenant puisqu'on voit qu'il y a quelques changements. C'est une Goat tout à fait classique maintenant qui est sortie avec un Zenyatta du côté de Surmage. Du coup, on va réagir immédiatement. La Mei, encore une fois, de sortie. On a compris, hein, visiblement, du côté de la Team Clash, que la Mei, ça déstabilisait le hashtag. Résultat, à chaque fois qu'il y a une Goat en face, on va reprendre cette Mei pour tout simplement s'assurer les Team Fights. Et pour l'instant, on décide, hein, de passer sur le top, hein, du côté des hashtags. Et c'est très compliqué parce que la Mei ne peut pas mettre de wall correct sur cette hauteur. C'est très très compliqué de bloquer l'entrée. Et pour l'instant, on n'ose pas être très agressif. On a Visto qui a son choc sismique, le très bon ralliement de l'Orpicuette qui est envoyé. Le très beau choc sismique aussi, mais la transcendance qui est venue contrer tout ça de Freyou. Et pour l'instant, c'est la très très bonne opération. L'ultimate qui vient de sauver tous ses mates. Et c'est Fierce qui vient de prendre le premier kill sur Bakenbauer. Incroyable retournement de situation, la transcendance de Freyou qui a sauvé des vies, et juste après, eh bien, on capitalise grâce à la Maid of Wars qui va réussir à freeze le Lucio. Rien à dire, hein, ça s'est joué vraiment à peu de choses. Heureusement que ce Zenyatta avait réussi à se cacher du KD de Visto, sinon eh bien, c'était la victoire assurée pour les attaquants. Encore une fois, les joueurs de la Team Clash s'en sortent à un cheveu de la défaite. Et au final, eh bien, ça va leur permettre de tenir encore longtemps. Ils ont des ultimes en réserve, alors que leurs adversaires, eux, sont obligés de patienter un petit peu avant de récupérer les leurs. Ouais, pour l'instant, regarde-moi ça, cette composition, encore une fois, avec la Mei, hein, qui tient, qui permet à cette équipe de zoner correctement avec ses murs qui sont tellement bien placés, qui font le travail. On a Jezafena qui a failli perdre son méta, ça aurait été terrible, le ralliement pour venir un petit peu renforcer tous ses mates. Mais en face, on a quand même beaucoup d'ultimates de la part des deux équipes. Donc là, prochain teamfight, ça va être un déluge d'ultimates, pardon. Et on va surtout avoir ce combo, hein, Graviton suivi justement de ce Blizzard qui pourrait faire très mal. Mais là on perd directement le Reinhardt sans même avoir besoin d'utiliser un quelconque ultimate. Les défenseurs vont du coup en profiter pour avancer le plus possible. Et justement on va se jeter dans le vide du côté des survivants pour justement éviter de perdre du temps. Mais certains ne peuvent tout simplement pas aller se suicider. Leur PQ8 par exemple va mourir en dernier avec pas mal de retard sur le reste de son équipe. Les ultimates sont emmagasinés de chaque côté. Le prochain teamfight risque d'être fort en émotion. Ah, c'est vrai que là, on va avoir de quoi se battre, hein, du côté des deux équipes. C'est très très compliqué. Car ça va être très compliqué de suivre. Mais par contre, on est passé sous la barre des 1 minute. Et là, ça risque d'être sûrement le dernier teamfight. Comme tu l'as dit, il va falloir trouver la stratégie adéquate pour contrer la Mei de Wars, qui pour l'instant fait énormément bien son travail. Et voilà, et ça y est, le mur qui va tout simplement retirer, zoner. Et beaucoup d'ultimates étaient envoyés pour l'instant. Encore une fois, aucun pick n'est fait avec énormément de ressources. On a l'ultimate de Wars qui est envoyé, qui va permettre le premier kill sur leur PQ8. Et pour l'instant, le kill fuit des bleus, mesdames et messieurs, la défense qui a l'air de s'en tenir. On est à 20 secondes de la fin de ce premier side et ça paraît très très compliqué. On n'a plus aucun ultimate du côté des attaquants. Et c'est là qu'on voit, hein, toute la différence avec la Mei, c'est que même si on n'arrive pas à éliminer qui que ce soit sur l'ulti de la Mei, eh bien ça freeze tout le monde et du coup, eh bien, on peut enchaîner les kills juste à la fin de cette ultime. Les joueurs ne peuvent rien faire, ils sont obligés de subir les dégâts de l'équipe adverse. Là maintenant on va essayer de contester au dernier moment, mais Jezafena va directement mourir, freeze encore une fois par la Mei. On est très bien en train de contester pour l'instant, on va essayer de gagner un maximum de temps. Leur PQ8 qui essaye de faire des dégâts, mais pour l'instant au sol, eh bien le team fight est remporté par l'équipe adverse. Les défenseurs, la Team Clash va tenir en défaut leurs adversaires. Le point B ne tombera pas, seulement 83% de capturés. Ouais, très très bonne défense. On a su tout simplement résister face à ce snowball qui a failli avoir lieu. Tout simplement, on a tout simplement fait nos preuves sur cette deuxième défense. On est passé à rien de perdre le deuxième point. C'est très compliqué. Donc encore une fois, mesdames et messieurs, on ne repartira pas sur un troisième et quatrième side sur cette map, voire plus, hein, parce qu'on sait que ce genre de map, on peut partir pour 45 minutes de Volskaya. On connaît bien évidemment cette frustration quand on part sur un 40-40 au score et au final il y a une égalité.
compliquée, mais bref, je m'égare un petit peu. On veut, du coup, on n'a pas le choix. On doit espérer faire une meilleure attaque, une meilleure défense, pardon, si on veut espérer remporter au moins une map du côté des Hashtag Warriors. Et maintenant, quand je vois cette défense des Team Clash, je comprends pourquoi ils veulent faire la défense en premier. Sur un seul side de Volskaya, on a eu droit à voir 4 stratégies différentes. La première, la double sniper. Ensuite, sur le second point, pour éviter le snowball au maximum, ils ont tenté la float ou la dote, peu importe son nom, la tritank avec un Winston pour lead la frontline. Et puis, ils ont switch ensuite sur une dive avec McCree Brigitte, donc le protect de McCree, pour essayer tout simplement d'éviter de se faire avoir par la Pharah adverse. On a dû switch sur une goat du côté des Hashtag suite à cette stratégie. Résultat, dernière stratégie mise en place par les défenseurs, on est revenu sur une goat avec une Mei. Donc on voit à quel point la défense des Team Clash est réfléchie. Ils ne se laissent pas faire par rapport par leurs adversaires. Ils vont à chaque fois aller s'adapter avant que leurs adversaires ne puissent imposer leur stratégie. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Ils vont repartir justement sur une stratégie qu'ils ont déjà appliquée, la double snipe pour ce premier point. Oui, on veut tout simplement retenter cette composition de la Widow, pardon, de la Widow Anzo. C'est une composition très intéressante, mais en attention, parce qu'en face, on a la Mei de leur PQ8 qui est, quant à elle aussi, de sortie. Et on sait que c'est très compliqué une fois que l'équipe est divisée pour prendre une différence. Et voilà les switches qui sont, une fois effectués, on repart sur la composition classique, comme on a l'habitude de voir, en tout cas depuis le début de ce match, une GOAT avec une Mei, pour tout simplement, encore une fois, zoner cette équipe des Orchard, pardon. Compo miroir du coup pour les deux équipes, et là le premier wall a été lancé. Mei ici va réussir à séparer temporairement cette équipe justement des Hashtag Warriors, et encore une fois on va le payer de sa vie du côté de Jasofena. Mais Bacon Thief n'a plus de shield, il va tomber très rapidement, mais Visto va le suivre juste après. Pour l'instant l'avantage est à l'attaque, attaque qui va s'imposer petit à petit sur le point, alors que la défense elle est très très mal placée. Mais ils vont quand même récupérer le Lucio, un très bon pick. On n'est plus que 4 en vie du côté des attaquants et on ne pourra pas prendre au premier tiers. On a une Mei qui vient contester. Ouais, pour l'instant c'est un pour un, Fierce qui vient de tuer leur PQ, et sur Magic qui vient de tuer son homonyme. Mais pour l'instant c'est très compliqué, le point qui se casse petit à petit. On ne veut pas qu'on teste, on attend le retour de ses mates. Et ça y est, on revient petit à petit, la conteste qui est en train de se faire. Et là malheureusement on a cette affaire là qui était bloquée par ce mur, le choc sismique de Visto qui ne prendra malheureusement personne. Et pour l'instant cette attaque qui a l'air de se conclure tout simplement en prenant de très bons picks au très bon moment. Et on va investir la transcendance du côté des défenseurs pour essayer de rester en vie et de continuer à contester. Mais ça ne rapportera rien. On va justement perdre le teamfight. Sir Maj va mourir complètement en décalé ici, ce qui va donner l'opportunité de push directement du côté des attaquants. Est-ce que la Team Clash peut capitaliser là-dessus? Non, on a perdu le Zenyatta, il faut aller le rechercher du côté de Yoshio. Le Lucio ici, il va aller tout simplement permettre à son équipe de se regrouper rapidement. On a des ultimes et surtout on n'a plus cette transcendance du côté de Surmage. Le graviton de Fierce est du coup prêt à l'emploi. Et pour l'instant, on a les deux ultimates hein, de leur PQ8 de Wars, les mecs qui vont geler ce terrain dans le sky. Et ben voilà, les double graviton qui vient d'envoyer le double ultimate de Mei. Quand elle est aussi très très beau mur du son du côté de Yoshio qui est envoyé pour contester un maximum tout ça. La transcendance du côté de Faryu qui est aussi envoyé pour l'instant. Et aucun pick n'arrive à se faire sauf Bekotif qui vient de récupérer Josephina. Et là on va réussir à avoir l'avantage du côté des attaquants. Les ultimes étaient plus nombreux pour cette équipe des Team Clash qui est en train de s'imposer. Wars qui va continuer à distribuer les piques à glace. Le premier tiers vient de tomber. Jasafena va essayer de venir contester, mais il y a un wall qui lui bloque la route. Il ne peut rien faire. La brigade ici qui ne pourra pas aller contester. C'est fait. C'est le 3 à 0 en faveur de la Team Clash avec une composition Goat Mei tout simplement parfaitement exécutée face aux Hashtag Warriors qui n'ont pas trouvé la solution aujourd'hui. 3-0. Un score plutôt simple, créa avec Brigitte pour le Play of the Game. Ah, dommage, Yura. Ce Lucio, il se sera enfui. Ça gâche un petit peu le Play of the Game, mais bon, au final, hein, c'était pas le Play of the Game qui intéresse créa. C'est la victoire et la victoire. Elle est bien là pour nos amis des Team Clash, du coup, qui vont s'imposer 3 à 0 face aux Hashtag Warriors. On va être honnête, Dams, on s'attendait vraiment à un match plus serré au vu des passés, au vu du passé des deux équipes, notamment au niveau du passé des Hashtag. Ah, clairement, je m'attendais à plus une victoire au final pour les Hashtag, puisque la Team Clash, malgré les chiffres qu'ils ont fait en Open Division, je me suis dit les Hashtag sont ensemble depuis très longtemps. Ils ont déjà fait énormément de performances. Je m'attendais vraiment à du coup les voir se battre jusqu'au bout et surtout à arracher l'une ou l'autre map, voire même peut-être la victoire. Mais stratégiquement, aujourd'hui, les Team Clash m'ont
tout simplement surpris, surtout sur cette map de Volskaya. On les a pas vus hésiter une seule seconde. Ils sortent une stratégie, ça ne marche pas forcément, ils vont aller swap, ils regardent ce qui se passe en face et à chaque fois ils vont aller s'adapter. Donc clairement, c'est une équipe qui pour moi a compris le principe même d'Overwatch, c'est-à-dire s'adapter à l'adversaire pour le mettre à mal, et ils ont fait ça à merveille. C'est tout à fait ça, hein, parce que ce que j'ai noté moi principalement, c'est que les Logitech Warriors à aucun moment, même dans les phase où ils semblaient dominer, à aucun moment en fait ils n'ont réussi à imposer leur style de jeu. À chaque fois, c'était les Team Clash qui géraient le momentum, qui géraient leur composition, qui géraient leurs ultimates. Et à chaque fois, les Logitech Warriors, j'avais l'impression qu'ils subissaient en fait. Durant toutes ces trois maps, j'ai eu l'impression que les Logitech Warriors ont subi. Malheureusement, c'est tout ce qui s'est passé, c'est tout ce que j'ai vu. C'est dommage parce que les Logitech Warriors, on le sait, c'est une équipe qui a fait les trials, qui est connue pour sa GOAT, qui avait été excellente. On sait qu'on a des joueurs qui sont capables de swapper sur Pharah également. Mais voilà, ici, à chaque fois, les clashs, ils ont identifié le fait que les Logitech Warriors, c'est une équipe qui ne joue qu'une ou deux compositions. On travaille ces compositions, on travaille contre ces compositions. Et c'est ce qui a marché parce qu'en plus, côté clash, on a joué l'un des meilleurs counters à la formation de Logitech Warriors, à savoir la GOAT avec la Mei. Surtout que Worth, notre français, était impressionnant sur ce pick, Vatko. Ouais, c'est vrai que encore une fois on le répète hein, mais la Mei qui était sortie sur ces trois maps, on a eu pas, il y a pas une seule exception où elle n'était pas de sortie pour l'instant là. C'est vrai que c'est un pick qui, on le voit, qui a été vraiment bien travaillé par la part de ce joueur qui a su tout simplement faire le travail, mettre les walls comme tu l'as bien précisé aussi tout à l'heure, qui a su couper cette équipe en deux des Logitech Warriors. Donc on a tout simplement bien fait de jouer ce pick. En tout cas, ça a payé, car on bat 3-0, voilà, on va pas se le cacher, c'était pas si close que ça, malgré la très bonne performance des Logitech Warriors, notamment sur la dernière map sur Volskaya. Mais c'est vrai que cette Mei a quand même mis à mal hein, cette équipe des Logitech Warriors, et malheureusement on n'a pas su s'adapter et contrer ce pick qui vraiment a été terrible pour eux. Terrible pour eux, nos amis des Logitech, qui vont donc passer en 4-1 dans cette Open Division, tandis que nos amis Clash passent en 5-0. Mais voilà, les Logitech, on le sait, ils ont l'habitude de faire des comebacks des enfers, hein, littéralement, pour aller chercher leur place, que ce soit en playoff ou en trials. Donc voilà, on espère, on ne se fait pas de soucis pour nos amis des Logitech Warriors, qui concèdent ici leur première défaite dans cette Open Division saison 1 2019, alors que les Team Clash vont continuer invaincus 5-0. Mesdames et messieurs, nous, on va continuer demain pour la suite de ce round 5. Demain, 19h, j'espère que vous serez avec nous, puisque Hammerkick et Maba, accompagnés de toi-même, mon cher Dams, à Lost, vont vous commenter le match HSL Academy versus Apotheos Youngstar. Donc, il va y avoir des Français côté Apotheos Youngstar, l'une des meilleures équipes françaises du moment, face au HSL Academy, qu'on a déjà vu plusieurs fois et dont on n'a plus à prouver le talent. Je vous dis donc, messieurs, merci de m'avoir accompagné sur ce cast déjà. Merci. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. Et on se retrouve donc, mesdames et messieurs, demain, 19h, HSL Academy face à Apotheos Youngstar. C'est la suite de cette Open Division. Merci de nous avoir suivis et à demain sur Caster Nest. Ciao.